كما سبق وأن أشرت إليه في البداية. إذن المنتخب الوطني يصل في هذه الأثناء إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، وإليكم جمال بلماضي ربما سيدلي بتصريح في هذه الأثناء، نتابع مشاهد الأفاضل. C'était la on va dire mission accomplie. Rahna Radi Ben Djibou les trois points comme d'habitude. Alhamdulillah. Saïba là le terrain, Saïba la Kouchi, comme d'habitude. Hein. Ça fait très longtemps. Hein. On n'était pas habitué à prendre des points en Afrique. Vous savez ça depuis on l'a suffisamment dit. Alhamdulillah, ça commence à devenir. On casse cette mauvaise habitude depuis le match du Togo. La Coupe d'Afrique aussi, évidemment, c'est des matchs à l'extérieur, même si c'est une compétition. Mais voilà, c'est une chose sur laquelle il faut s'habituer, partir et jouer avec les conditions qu'on nous donne et revenir avec les points. Coach, on a senti une équipe du Botswana qui a joué assez agressif. Quel a été votre mot d'ordre à la mi-temps avec vos joueurs? Est-ce que vous leur avez demandé de un petit peu de jouer plus rapidement, histoire d'éviter le choc, ou comment ça y est? Pas plus rapidement parce que c'était difficile de jouer plus rapidement avec les conditions du terrain. Mais de toute manière, le plan était qu'il était incontournable et inévitable d'éviter le défi physique. C'est incontournable. Donc il faut pouvoir répondre présent. On peut pas ramener des points en Afrique si on échappe à ça. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on a progressé, il faut continuer comme ça. Même au niveau de l'état d'esprit, on a senti une équipe plus homogène. Ouais, c'est de ça dont je parle. Une équipe qui est... Malgré les difficultés, elles seront toujours là de toute manière. On est le champion d'Afrique, il y a des équipes qui jouent avec leurs moyens là-bas, qui ne sont pas toujours réglementaires, vous avez pu le voir. Mais voilà. Les joueurs ont franchi un palier à ce niveau-là sur l'état d'esprit. C'est pas depuis hier. Alhamdulillah, il faut continuer comme ça. Coach, comment ça a été la condition physique après un match très difficile? On était vraiment peur de blessés. Non, mais quand on voit des situations de jeu au ralenti, j'en ai sur mon téléphone, c'est effrayant. Donc, à un moment donné, s'il y a des instances qui doivent prendre leur responsabilité. On ne peut pas jouer comme ça. À un moment donné, c'est même plus du football. Donc ça c'est préoccupant. On ne pourra pas toujours jouer les matchs comme ça et revenir. Moi si je me mets à la place des entraîneurs de club, j'aurais un petit peu peur. De voir mes joueurs comme ça et voir les matchs. Avec ces agressions, tout simplement. Donc, je comprends pas comment on peut fermer les yeux. Je comprends pas comment les arbitres puissent. Quand est-ce qu'on va avancer comme ça en Afrique? Puis je l'ai dit, je le répète, il y a eu des instructions. Coach, l'absence de Riyad Mahrez ou l'absence de Brahimi. Bon, les joueurs d'un grand match. Est-ce que tu veux les places de l'équipe nationale? Donc, ou Galien, machine pour jouer. Mais je suis dans le cas maintenant. Ça fait un moment. Je le répète. Et ça veut dire que l'équipe nationale est en bonne santé. Si c'était facile de changer des joueurs et régulièrement, ça voudrait dire qu'on n'a pas encore trouvé. Une équipe qui se dégage. Là, ils le savent, les joueurs, le discours est là. Les places sont chères dans le 11 de départ, les places sont chères sur le banc de touche. Faire partie maintenant de ces 23 joueurs, les 23 meilleurs joueurs de l'Algérie, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile d'intégrer ce groupe-là. Même les joueurs comme Aouar ou Adli ou là. S'il te plaît, pas. Qu'est-ce que vous avez distingué comme. Tu me parles de l'équipe de joueurs d'Algérie ou de l'équipe de France? Mais c'est des pays nationaux, coach. C'est des joueurs algériens. Franco-algériens. Alors, Goulom. Goulom, c'est des joueurs franco-algériens. Vous avez distingué dans ce match-là comme leçon pour faire avancer? Sûrement, il y en a beaucoup de leçons dans ce match-là. Non, on est dans le bon chemin. Les joueurs comprennent que
qu'il y a des matchs comme ça où ils ne vont pas prendre énormément de plaisir, ils ne vont pas pouvoir mettre en place le jeu qu'on aimerait mettre en place, qu'on a l'habitude de mettre. Voilà, entre un match contre la Zambie où tu déroules avec 5 buts, ou ça aurait même pu être pire, on les avait avertis que ça n'allait pas être le même genre de match. Donc il faut savoir s'adapter, parce que c'est comme ça qu'on se qualifiera dans les Coupes d'Afrique, évidemment, et qu'on se qualifiera dans les Coupes du Monde. Il n'y aura pas que des matchs en Algérie, il y aura des matchs à l'extérieur comme ça, il va falloir gagner. Maintenant il y a aussi des choses qui dépassent tous ces aspects-là, où on a besoin des autorités. Je ne sais pas comment moi je suis entraîneur, mais quand je vois des choses, je suis impuissant. Bon, maintenant Youssef il repart avec la jambe cassée. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Coach, donc, voilà. Justement, vous avez dit qu'il y avait des instructions. Est-ce que vous pensez que le coach adverse, qui est algérien quand même, est-ce qu'il a... J'ai dit ce que j'avais à dire, les gens comprennent ce qu'ils ont à comprendre. Le coach, pour le reste du chemin, il y aura 4 mois sans match. Quel est votre programme? C'est une période, c'est vrai, qui sera creuse. Mais on a enchaîné cette CAN. D'ailleurs, on a été loin de nos familles pendant très longtemps. On est resté 2 mois ensemble, entre juin et juillet. Après, on a enchaîné sur le mois de septembre 3 semaines, sur le mois d'octobre 3 semaines, sur le mois de novembre quasiment 3 semaines. Moi, j'arrive assez tôt pour préparer tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'on est loin un peu de nos familles, tout ça. C'est normal, ça fait partie du boulot. Donc, on va se reposer un petit peu dans un premier temps, dans un deuxième temps. Voilà, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, beaucoup, beaucoup de travail de l'ombre. Vous n'êtes pas au courant, on est sur les terrains, on est sur les stades. J'ai un staff qui est tous les week-ends présent sur les terrains, là où il y a nos joueurs, ou des joueurs déjà en équipe nationale, ou des joueurs probables et que l'on suit, qu'on veut l'on suivre sur plusieurs matchs, pas seulement sur des bouts de match ou sur des matchs qu'on peut voir à la télé. Donc on les suit régulièrement. Pour pouvoir savoir comment ils progressent, comment ils évoluent, et s'ils peuvent, quand on les appelle en sélection, il faut qu'ils soient prêts. Après, il va y avoir aussi, on va bien suivre le retour des blessés. Il y a des joueurs comme Mohamed Fares qui est revenu, ça c'est important. On a aussi un souci à certains postes. Donc il a repris les entraînements, pas collectifs, mais des entraînements avec le ballon. Donc c'est une bonne chose. Donc d'ici le mois de mars, Inch'Allah, il y a des possibilités qui soient disponibles, peut-être. Des joueurs comme Oussama Chita, Victor Lekhel, voilà, tous ces joueurs-là, des Mounes, on a laissé à disposition du club pour être sûr qu'ils puissent reprendre. Peut-être d'autres qu'on a, lesquels on, je vous l'ai dit dans la dernière conférence de presse, avec lesquels on a discuté, qui sont dans... Coach, 17 matchs sont défaites, est-ce que vous attendez 17 ou 18 18 avec, si on avec le Qatar. Le Qatar 18, 18 avec le Qatar, c'est ça? 18 avec, okay. Le Qatar et 17 l'équipe A. Mm-hmm. Est-ce que vous attendiez à cette série, franchement, quand vous avez pris en main cette équipe, on s'attendait à, disons, peut-être, vous attendiez peut-être à une mission délicate, compte tenu des résultats négatifs qu'enchaînait la semaine. Maintenant, avec du recul, la CAN passée, gagne, qu'on a remporté, est-ce que vous attendiez à ce chemin? Bon, on va sans défaite. On peut pas. Prévoir qu'on va faire une période où être dans une dynamique comme la nôtre, avec un record comme celui-là. Mais j'avais quand même bon espoir, parce que je suis de nature optimiste, sinon je ne m'engage pas. On va juste se baser sur ce qui a été dit lors de mes premières conférences de presse, c'est tout. Voilà, rappelez-vous juste ce que j'ai dit. Aujourd'hui, ça serait facile de parler. Rappelez-vous ce que j'avais dit au début, là où on pensait que j'étais un petit peu... que je ne savais pas où j'avais mis les pieds. Voilà. Un bon plan, ces points dans ces deux matchs vous laissent peut-être travailler plus à l'aise et beaucoup plus se préparer pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Non, on voulait démarrer avec ça. C'était l'objectif avant ces deux matchs-là. C'était de remporter, de prendre les 6 points. Voilà. Et on savait qu'on allait faire match après match, bien préparer à chaque fois nos matchs. Donc il y avait ce premier match contre la Zambie, c'était des simples 3 points de prix. Après on s'est tout de suite mis dans l'objectif d'aller chercher des points à l'extérieur. Et donc il y a Théom Sahar, c'est les joueurs avant tout, hein, n'oubliez pas ça. C'est eux qui font le travail, qui sont réceptifs, qui à chaque fois ils viennent ici. Je pense souvent moi aux joueurs qui sur les deux matchs n'ont pas joué une minute par exemple.
Ceux-là, ils ont un grand, grand mérite aussi. Ils sont très importants à mes yeux. Ils viennent, ils sont disponibles. Ils jouent, ils donnent le maximum. Ils ne jouent pas. Ils sont derrière le groupe, même s'ils sont un petit peu frustrés, c'est normal. Ils voyagent plus de 20 heures aller-retour sans jouer une minute. Donc ça aussi, c'est très important, cette gestion de l'ensemble de l'effectif. C'est ce qui fait qu'on va aller loin, on l'a vu durant la CAN. Donc objectif rempli. Maintenant, voilà, c'est ça, on va maintenant jouer sur deux compétitions, deux campagnes de qualification et la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. C'est des choses qu'il va falloir aussi bien maîtriser. On va avoir le tirage au sort bientôt, en décembre, janvier, je crois, c'est à Doha. Donc on aura la possibilité de bien, voilà aussi d'ici là ce qu'on aura la possibilité de faire. C'est de bien travailler sur les oppositions, sur les équipes que l'on va affronter. Des appréhensions par rapport à ce tirage au sort qui se tiendra en principe le 10 janvier prochain. Est-ce que, voilà, par rapport aux adversaires, quand on voit que dans ce groupe de la CAN, on se déplace quand même trois fois au fond de l'Afrique. Assez bizarre. Voilà. Assez bizarre. Ce qui est un peu complexe pour nous. Non, ce qui est assez bizarre, c'est voilà, qu'on est trois équipes de ce groupe-là là, qui se retrouvent, qu'on doit jouer le plus loin possible. C'est-à-dire tout en bas de l'Afrique, c'est assez bizarre ça. Mais non, j'ai pas d'appréhension particulière. On n'a pas à avoir ce genre de manière de sentiment parce qu'il faudra jouer ce qui sera tiré et être le plus près possible. Coach, l'équipe nationale, meilleure équipe de l'Afrique, est-ce qu'il y a comme des propositions pour faire des matchs en Afrique? Taya, Jitsbah. Merci, au revoir.